Thomas Levet et Grégory Avray ont posé les crampons sur les fairways moquettes du majestueux Congressional de Bethesda il y a déjà quelques jours pour s'installer physiquement dans l'ambiance de ce qui, pour l'un comme pour l'autre, est un des moments clés de la saison. Mais la comparaison peut presque s'arrêter là, car leur état d'esprit, au moment d'aborder ce deuxième majeur de l'année, le premier pour Thomas, est assez différent. Pour l'un, Grégory Avray, il s'agit d'abord de ne pas répéter les erreurs commises au Masters. Il s'agit aussi de retrouver la magie d'il y a un an, de cet US Open terminé à la deuxième place et qu'il a installé dans le cœur des Américains qui, sur la base de ce seul résultat signé chez eux, n'hésitent pas à en faire un possible favori. Ça fait plaisir quelque part de sentir, entre guillemets, reconnu, un petit peu en tout cas dans un pays où le golf est roi. Et voilà, et ça fait plaisir de revenir un an après ce qui s'est passé. Maintenant, effectivement, c'est un tournoi complètement différent, avec des difficultés qui sont autres. Voilà, c'est même pas du tout au même endroit. Bon, il y a énormément de choses qui changent, à part le nom du tournoi. Voilà, il va falloir malgré tout s'adapter à tout ça et essayer de faire au moins aussi bien que l'an dernier. Pas de pression de cette sorte, ni d'aucune autre sorte d'ailleurs, pour Thomas Levet qui lui arrive ici avec la décontraction que procure le fait d'aligner les bonnes cartes depuis plusieurs semaines. J'espère que c'est moi qui ai bien planifié l'année et qui arrive en forme au bon moment. Actuellement, je tape très très bien la balle, je putte plutôt pas mal et j'ai un bon petit jeu, donc la combinaison fait des choses, de bonnes choses. Il faut le seul truc qui manque pour que ça soit plus haut dans les classements, c'est le petit truc qui manque pour aller jusqu'à la victoire, et ça c'est j'espère que ça va arriver dans les semaines qui arrivent. Ce mercredi, Thomas et Grégory auraient dû effectuer ensemble leur ultime reconnaissance d'un parcours qu'ils estiment l'un et l'autre plus facile que ceux des années précédentes. Mais Thomas a déclaré forfait pour ménager une jambe qui le fait souffrir quand il marche, mais qui ne le gêne pas pour frapper la balle. Mais dès 7h22, demain matin, ils seront côte à côte sur le tee du 10 pour taper leur premier coup, en vertu de ce qui était il y a 3 ans une fantaisie dans la distribution des parties et qui, année après année, est devenu une règle à l'US Open. Des joueurs de même nationalité jouent ensemble. Là encore, l'état d'esprit entre Avray et Levet diffère légèrement. Je trouve ça franchement un peu dommage. Les Italiens jouent ensemble, les Suédois jouent ensemble, les non-asiatiques jouent ensemble, même s'ils ne sont pas forcément de la même nationalité. Il y a Anthony Kim qui joue, je crois, avec un Coréen, et c'en est presque assez étonnant. Et je trouve ça effectivement dommage. C'est une façon de faire un tirage un peu différent, et puis je crois que pour aussi ça facilite la tâche de pas mal de monde, dont les médias français qui auront plus de facilité à nous suivre et de savoir ce qu'on a fait, plutôt qu'il y en ait un qui joue à 9h, l'autre à 11h et un troisième à 3h, parce que forcément les médias pourront pas suivre faire 3 fois 18 trous dans la journée. Donc là c'est une façon de faciliter les choses. On peut passer aux deux frères Molinari et Matteo Manassero qui jouent ensemble aussi, les trois Italiens, où les trois Suédois jouent ensemble. Donc c'est une façon de faciliter les choses pour les médias étrangers. C'est plutôt pas mal, je pense, pour eux. Il a fait aujourd'hui un temps magnifique sur Washington, un temps propre à mettre en valeur ce magnifique complexe de Bethesda, le temps idéal pour poser la première pierre d'un majeur dont la première spécificité repose toujours sur l'ambiance qui l'entoure. Même quand on connaît déjà, l'US Open émeut toujours. Il y a effectivement une certaine ambiance et une certaine atmosphère qui fait que c'est un tournoi évidemment tout à fait particulier et que par la force des choses, et c'est là où je devrais peut-être en tirer une première expérience, c'est que je le prépare effectivement un peu différemment, avec beaucoup de concentration, avec un programme vraiment défini, avec j'insiste sur certains points sur lesquels j'insiste pas forcément dans la saison régulière. Et ça, c'est important de retenir aussi ces moments d'entraînement qui sont, je pense, très positifs et qui me font beaucoup de bien pour les emmener avec moi dans les tournois de la saison régulière.